Dans cette émission de LCI, par exemple, c'est un intellectuel de gauche, Jacques Julliard, qui chaque semaine affronte Luc Ferry, un philosophe de droite. Attention, la violence des échanges est insoutenable. Hélas, hélas, Luc, je n'arrive pas à être en désaccord avec ce que vous venez de dire. J'aimerais bien. Moi, j'irais dans l'autre sens et je pense que sur ce point, vous serez d'accord avec moi, comme je suis d'accord avec vous sur l'autre. Comme vous, je me réjouis du poids de cette opinion publique. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Je trouve que Luc a parfaitement raison. Il faut expliquer, il faut faire comprendre le problème de la mondialisation. Vous êtes en train de et dire puis, le troisième que point, dis, mais j'allais le dire sur la rigueur, je suis hélas d'accord avec vous. Et vous avez raison. Sur ce point, il n'y aura pas de débat très vif entre Luc et moi. Non, encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Il fallait faire d'abord le traité constitutionnel et puis l'élargissement après. Vous me rendrez cette justice, Luc, que je dis la même chose que vous, non pas avec l'autorité d'un ministre, mais que j'ai toujours pensé cela. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jacques, à ceci près que, bon, d'ailleurs, vous avez ouvert un petit parapluie, je ne mettrai pas le libéralisme et le communisme sur le même plan, mais peu importe. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on a besoin aussi, et là je ne pense pas d'ailleurs que Jacques, vous soyez en désaccord avec moi, mais je pense que c'est encore plus difficile et plus urgent. On vous dit qu'on est trop en désaccord, s'inquiète même sur nos relations. J'espère que, voilà, non, je signale qu'elles sont excellentes. Et cette semaine, nous sommes entièrement d'accord et nous n'en avons aucun scrupule.